ordinateur. Je peux pas faire autrement. Hier, on était à Disney. Et à Disney, j'ai laissé ma voix dans le parc. Et je l'ai oubliée et je vais la reprendre. Donc bon, mais j'ai quand même fait mes courses ce matin parce qu'il fallait qu'on mange. Comme Juliette était réveillée, on y était ce matin. Donc du coup, je suis désolée. Je peux pas parler plus fort que ça. Mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai acheté. Allez, on y va. Elle va revenir au fur et à mesure à force de parler, je pense. On verra bien. Ensuite, sur l'application ShopMium en ce moment, il y a une promo sur les saumons Findus. Il y en a plusieurs. Donc, du coup, moi j'ai pris cela. Pas par choix, parce qu'il n'y avait que ça là, sur les 4 proposés avec cela. Mais bon, ça n'a pas l'air d'être mauvais. Après tout, ça reste du saumon. Ensuite, mon homme m'a redemandé des buns. Alors, du coup, j'ai racheté des buns. J'ai trouvé saucisse moutarde pour une fois. Enfin, ça fait longtemps que je n'avais pas trouvé. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté des pommes de terre à la salardaise pour faire avec une omelette, je crois. Je sais plus. Donc voilà, c'est les pommes de terre qui sont cuites à la graisse de canard. Super bon. Hop. Et je crois qu'en surgelé, c'est tout. Mais surgelé, je vous retrouve après. Allez, on continue avec les produits frais. Donc déjà, j'ai acheté des œufs parce qu'on va se faire des œufs sur le plat un soir. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait. J'en ai vraiment envie. Ensuite, mon homme m'a demandé, comme d'habitude, sa pasta box. Donc c'est toujours la Xtreme Box aux 4 fromages. Les Radiatori. Chaque fois que je prononce Radiatori, j'ai l'impression de parler de radiateur. C'est bizarre. Bref, il l'aime toujours. Ensuite, il m'a demandé une pizza au chorizo poivron grillé, toujours Sodebo. Il va faire une cure de pizza cette semaine. Ensuite, il y a un soir, je savais pas quoi faire, alors du coup, j'ai pris des cordons bleus, filet de poulet. Ah, voilà, ils sont pas mauvais du tout. Et oui, j'avoue, Juliette, elle en mange aussi parce qu'elle adore ça. Ensuite, j'ai pris ça, le bon végétal Nuggets. Soja blé d'Erta pour manger à midi. Mon homme avait apprécié, la dernière fois il avait goûté, il m'a dit c'est pas mauvais, j'aime bien. Du coup j'en ai pris pour nous un midi et puis pour Juliette aussi. On va manger des gnocchis à poêler comme d'habitude au fromage. Cela on s'en lasse pas. Je crois que c'est tous les 15 jours qu'on en mange. J'essaye pas toutes les semaines parce que j'essaie de changer. Mais là franchement, j'en avais envie. Ensuite, j'ai acheté des steaks hachés pur bœuf, genre rosé, pour manger un soir avec des haricots verts, je crois que j'ai pris. Donc Juliette, elle en mange aussi, donc c'est parfait. Je lui fais, elle, je mets des haricots verts, je rajoute des patates avec pour qu'elle ait un féculent le soir, pour qu'elle dorme bien la nuit et qu'elle tienne bien, je crois pas. Ensuite, j'ai racheté du filet de tarte pour manger avec les gnocchis. Donc j'en ai pris que deux parce qu'il m'en reste deux dans le frigo. Donc comme ça, j'ai ce qu'il faut. Ensuite, mon homme m'a demandé du camembert. Donc, j'ai acheté du camembert. Voilà. Moi, je me suis pas pris de fromage parce qu'il m'en reste. Et je vais en piquer à mon homme aussi. Voilà. Ensuite, pour un midi avec Juliette, j'ai voulu reprendre ça. Les tartelettes au poireau. Elle avait bien aimé la dernière fois. Donc, je lui fais ça. Puis à côté, je lui mets des petites tomates ou un truc comme ça. Et elle aime beaucoup. Donc, la dernière fois, elle avait mangé la moitié. La moitié d'une galette, enfin d'une tarte comme ça, c'est pas mal pour un enfant. Donc du coup j'en ai racheté. Alors oui, c'est hyper salé et tout ça, mais bon, il y a un moment donné je lui fais manger comme nous parce qu'elle en a marre des purées donc, ou des légumes sans sel ou des trucs comme ça, donc il y en a un peu. C'est pas tous les jours. Ensuite pour moi lundi midi, Juliette elle est à la crèche, j'ai pas envie de me faire à manger. Donc j'ai acheté du riz cantonais parce que j'adore ça. Et le itinéraire des saveurs, il est particulièrement bon. Donc voilà. Bon, il y en a 400 grammes, je mangerai pas tout d'un coup, c'est sûr. Il m'en restera pour un soir. Ensuite, mon homme m'a demandé des roulés au fromage. Donc, bah, j'achète des roulés au fromage. Et j'ai dit qu'il fallait que je les goûte et j'ai encore oublié de m'en prendre. La semaine prochaine. Ou pas. Alors, ensuite, mon homme m'a demandé son sandwich à la rosette, comme d'habitude. Sauf qu'il n'y en avait pas. Donc, du coup, j'ai pris deux petites chez Sodebo. Alors,
alors oui, ça revient beaucoup plus cher. Mais bon, bah voilà, il n'y en avait pas. Et dans cela, il n'y a même pas de cornichons. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Comme ça, il en a. Et parce que bah, les inter, il n'y avait plus rien encore. Les rayons étaient encore vides. Moi, je démissionne. Bon, c'est pas grave. On prend avec des marques, mais c'est vrai que c'est plus cher. Ensuite, il me fallait des yaourts pour Juliette. Il y avait une promotion sur les veloutés nature. Alors, du coup, j'en ai pris. Je sais plus ce que c'était, à part 8 plus 4. Sur le ticket de caisse, je sais plus ce qu'il y avait comme promotion, j'en regarderai tout à l'heure. Bon, bah, c'est les veloutés de Danone. Voilà, c'est tout. Je vais quand même repris, c'est bio nature, il m'en reste. Du coup, j'en ai racheté des comme ça, parce qu'elle les adore. Donc, du coup, il y a une semaine, j'avais essayé de pas lui en donner. Et elle me demandait les yaourts, elle me montrait. Et je lui ai dit lesquels, j'ai dit les verts. Oui, oui. Du coup, bah, j'en rachète. Ensuite, il y avait des promotions sur les danettes liégeoises. Ça, c'est pour mon homme. J'ai testé caramel avec la chantilly chocolat dessus. Ça doit être méga bon. Je pense. Il me dira ce qu'il en a pensé et je vous en donnerai des nouvelles. Et pour moi, en ce moment, j'ai envie de fruits rouges. Donc, du coup, je me suis fait plaisir. J'ai pris la recette crémeuse de Danone. Donc, dedans, il y a fraises, cerises et framboises. Mais ceux-là, ils sont méga bons. C'est une tuerie. Pourquoi ils sont un petit peu plus chers que les autres. Mais en yaourt, je peux pas me faire. Je peux pas me retenir. J'adore ça. Voilà. Au niveau du frais, c'est tout. J'espère que vous êtes encore là et que vous en avez pas eu marre de ma voix de merde. Je les range et je vous retrouve après. Allez, on continue avec le reste. Donc c'est parti. En vrac, j'ai acheté des chocobilles. Donc les autres, je les ai achetés. Je vous en parlerai dans les produits finis, le muesli Intermarché. Il est très très bon. J'alterne, en fait, je vais prendre ça, puis la semaine prochaine, je reprendrai l'autre. Et vraiment, il est très bon. Donc, ça, les chocobies. Ensuite, j'ai racheté ceci. C'est le mélange parfait persillade de chez Magie. J'avais testé ça avec Shopium. Et franchement, c'est pas mauvais du tout. Dedans, il y a du persil, de l'ail, de la ciboulette et d'autres petites choses. Et en fait, quand vous faites, par exemple, bah, je sais pas, des haricots verts, vous mettez ça dessus, vous mélangez, ça vous fait un super goût. Donc du coup, bah ouais, j'achète ça. Alors ouais, c'est assez salé, mais c'est vraiment pas mauvais. Dedans, il y a une recette de quiche aux courgettes et tomates cerises. Il faudra que j'essaye pour la prochaine fois. Ensuite, mon homme m'a demandé des chips. Donc j'ai acheté des chips normales parce que je savais pas comment. Il y a des fois avec le normal, c'est pas mal non plus. Pour ce midi, avec Juliette, on va manger ceci, des tendres perles au blé de Tipiac. J'en avais déjà acheté et je trouve ça super bon. Il y a juste un inconvénient, c'est que c'est des sachets pour 3 personnes. Donc du coup, un sachet, ça va être de trop pour nous deux, mais c'est pas grave, je mettrai de côté. Et je redonnerai demain soir à Juliette avec sa purée. Ça ira très très bien. Ensuite, j'ai racheté du riz. Donc toujours un petit paquet, il n'y a plus du tout de paquet d'un kilo, je sais pas pourquoi. Donc c'est toujours le basmati Saint-Éloi que je prends. Mon homme a demandé avec les chips des cacahuètes. Donc j'ai acheté des cacahuètes. Il adore ça, des fois quand il rentre du boulot, il se prend des petites cacahuètes. Donc voilà. Ensuite, c'est la fête de la conserve. Du coup, j'ai acheté des haricots verts. Ça, c'est pour manger avec les steaks hachés. Hop, ils sont aussi bons que les surgelés. Donc du coup, quand j'ai pas envie de faire des congelés, je prends ça. J'ai acheté des flageolets verts. Ça, c'est pour manger avec les cordons bleus. C'est super bon. Et pour finir, j'ai acheté mes lentilles, comme d'habitude, parce que y a un soir, je ne savais pas quoi faire à manger, du coup j'ai acheté ça. Et au moins, je sais que Juliette, elle va manger sans problème. Alors ensuite, j'ai acheté des légumes et des fruits. Donc j'ai acheté une courgette pour Juliette. C'est pour lui faire sa purée, comme d'habitude. J'ai acheté des bananes. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé la dernière fois. À chaque fois, je dis que j'achète les fruits pour Juliette. Mais en fait, on en mange tous. Mais je m'adapte à Juliette pour acheter les fruits, pour qu'elle puisse en manger, en fait. Donc du coup, j'ai racheté des bananes, sachant qu'il me reste des pommes de la dernière fois. Donc du coup, j'ai pris des bananes pour Juliette et pour nous. Voilà, comme ça, au moins c'est clair pour tout le monde. Voilà. Ensuite, j'ai racheté des tomates en grappe, donc pas pour faire avec tout. Surtout pour faire des petites salades de tomates à Juliette, qu'elle raffole. Et en fruits et légumes, j'ai acheté des carottes pour Juliette et puis pour moi aussi, parce que j'avais envie de manger des carottes. Voilà. J'ai racheté que 2 litres de lait parce que il me restait encore 6 litres du pack de la dernière fois parce que j'avais acheté un gros pack. Donc
Donc du coup j'ai pris que 2 litres. J'ai pris de l'eau, comme d'habitude pour Juliette, il m'en reste encore d'avance, donc j'en ai acheté qu'une bouteille. J'ai racheté des mouchoirs parce qu'on est malade, enfin surtout moi. Je suis bien malade, donc du coup je me mouche beaucoup, donc il n'y a plus de mouchoirs. Voilà. J'ai acheté de l'assouplissant, alors je prends toujours la marque Apta, mais je change au niveau du parfum. Là j'ai pris perle de soie. Je trouve qu'ils sont super bons, celui-là je l'adore. Voilà. Encore quelque chose qui se mange, enfin, qui est alimentaire, c'est du sucre en morceaux, c'est pour mettre dans le café. Parce qu'on n'en a plus. Ensuite, j'ai trouvé les couches autonomie up, la taille de Juliette. Ça, on s'en sert à la sortie du bain, parce qu'on la met plus sur la table allongée quand on la change, quand on la sort, parce qu'elle est trop grande, et que la table allongée, le poids, on atteint le poids maximum. Et du coup, c'est plus facile à mettre après le bain, on lui met des pull-ups. On lui en met pas tout le temps, parce que ça coûte horriblement cher. Oh, ma voix, elle revient tout doucement. Ça coûte horriblement cher. Et du coup, on les achète comme ça, voilà. Et moi, je prends des tailles 4, 8, 15 kilos, parce que les tailles 5, elles sont trop grandes pour elles. Bon. Donc, alléluia, j'en ai trouvé. Et ensuite, pour finir, j'ai acheté une petite brosse à dents à Juliette. Alors, elle en avait une, mais elle commence à faire la tronche. Puis c'était une brosse à dents pour tout petit bébé. Là, j'ai pris une brosse à dents, donc Signal, je crois. Ouais, Signal Kids. J'ai pris une brosse à dents de 6 ans. Comme elle va bientôt avoir 2 ans, on brosse les dents sans dentifrice pour l'instant, parce qu'elle n'a pas beaucoup de dents et tout. J'attends d'avoir rendez-vous avec mon généraliste pour la visite des 2 ans et je lui demanderai ce que je dois prendre comme dentifrice. Mais déjà, j'ai acheté une brosse à dents. Elle a des petites ventouses, donc du coup ça c'est top, on va pouvoir la ventouser sur le lavabo. Elle va être contente. Par contre, ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas de cache pour la tête. Donc je dois en avoir un qui reste. Parce que comme c'est ventousé sur le lavabo, c'est à la poussière. Donc du coup, même si on s'en sert tous les jours, je vais voir si je peux trouver quelque chose. C'est elle qui a choisi la couleur, il y en avait 3 différentes, j'ai dit tu choisis. Elle a pris la rose, et après elle me dit non, non, non. Et elle a pris celle-ci, donc c'est la orange. Et elle est sympa, elle est toute belle. Voilà, on termine sur cette petite note chouinette. Alors, j'en avais pour hors réduction 92,29€. Et ticket restaurant déduit, j'en ai eu pour 75,69€. Voilà, j'ai mis 1,56€ sur la carte, c'est pas beaucoup. Mais j'avais pas besoin d'autres produits bio, donc voilà, comme c'est ça qui est en ce moment. Et du coup, au niveau de la promo des yaourts, c'était sur la carte en fait, donc j'ai payé le pack les veloutés de Danone, je les ai payés 1,47€ et j'ai eu 45 centimes sur la carte. Voilà. Donc voilà, et puis j'ai mes petites vignettes Pyrex comme d'habitude pour les mettre pour avoir les plats Pyrex à 1€. Donc voilà, bon, et ben ma voix revient à la fin de la vidéo, normal. Donc maintenant je vais tout ranger. Je suis encore désolée, mais après, on choisit pas quand on est malade. Et je voulais vous faire ce retour de course quand même, parce que je sais que vous adorez. Donc du coup, merci à ceux ou à celles qui sont arrivés à la fin de cette vidéo agaçante avec ma voix pourrie. La semaine prochaine, ça ira mieux, je vous le garantis. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Juliette est en train d'engueuler le chat parce qu'il est dans sa chambre et qu'il doit être dans la salle. C'est trop mignon. Allez, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.